Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Tenue stimulante. Anneau de la résistance. Marbule, c'est eux. Il en parlait deux tantôt. Tiens, je ne m'attendais pas à croiser des visiteurs dans ce village abandonné. Thomas, le grand explorateur. Tiens, bonjour, mes petits. Vous êtes venus jusqu'ici pour voir le grand explorateur? Je plaisante. C'est rien d'intéressant. Une façon de les voir.
Thomas, et bien Sparta, alors vous voulez voir quoi exactement? En savoir plus sur le village? Les grands explorateurs morts, Bulle appartient autrefois aux demi-humains. La région de ceux-ci habitait les contrées du Nord. Lors de l'invasion des troupes de Palpori, ils furent chassés du continent et se réfugièrent ici. Malheureusement, le sort continua de s'acharner sur eux. Du fait de sa richesse, Morbius devint bientôt la cible des chasseurs d'éléments. N'ayant nulle part où aller, la plupart des 2000 mains quittèrent le village pour travailler sur le navire de croisière, le Zeldes. Ils servirent d'hommes à tout faire et sont traités comme des moins que rien et ne font vraiment de la peine. Bref, ça explique la présence de cette ville fantôme. Les maisons sont encore meublées alors qu'elles n'hésitaient pas à y passer la nuit si vous êtes fatigué. Vous pouvez vous servir de ce juste à l'entrée. La mer monstre. Bon, la mer monstre, personne n'oserait s'aventurer là-bas. Je ne suis pas au fait que tous les détails, mais j'ai entendu dire qu'un infâme dragon vignait sur les lieux. Tout le monde veut défier ce dragon divin. Mais en ma qualité de grand explorateur, je compte bien me rendre sur place un jour. Ou alors, vous voulez savoir comment accéder à la mer morte? Le bruit court qu'il n'y a qu'une seule entrée. Le passage de la mort, c'est pas. Il est là quelque part. Malheureusement, même moi, j'ignore où il se trouve. Laissez-moi réfléchir, qui pouvait savoir? Ah oui, pourquoi pas vous adresser aux sages à bord du Zeldes? Les monstres. Oh, c'est horriblement, je n'en suis pas certain, mais je crois qu'ils sont là depuis longtemps. Ils sont visibles, mais ils n'ont pas de substance. Ils ne peuvent pas les toucher, ils ne peuvent pas nous toucher non plus. Il n'y a donc aucun moyen de communiquer avec eux. Les gens les appellent les cauchemars noirs, il me semble. Ils sont peut-être comme un mauvais rêve, peut-être une chanson réveillerait-elle le rêveur. Je plaisante, en tout cas, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Que faites-vous debout à cette heure? Une sirène, un retour au pays peut-être? Mais pleurez, vous dites? Une sirène qui revient d'un beau milieu de la nuit en pleurs? Le premier messager de cette sirène qui a perdu la faculté de chanter. Les sirènes sont réputées pour leur voix magnifique, elles chantent l'amour et le bonheur. Mais il est interdit de dire du mal des humains dans ses chansons. Si une sirène brise cette règle d'or, elle perd sa voix. Mais qui pourrait lui en vouloir avec tout ce qui se passe à nos jours? Vous embarquez sur les Zeldes demain, n'est-ce pas? Vous devriez vous reposer. Oh, et salue le capitaine Fargo de ma part, quand vous y serez. Il peut être fourbe alors, méfiez-vous. Le navire de croisière des Zeldes, Fargo? Excusez-moi, Emma. Montez sur les Zeldes, amenez-moi avec vous. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous avez déjà été sur Marbule, l'île? Avant, c'était un endroit paradisiaque où vivaient des sirènes. Maintenant, c'est infesté de rives morts. C'est de là que nous, tous les matelots de mille-mains du navire viennent. Non, mais ne me regardez pas comme ça. Les deux mille-mains disent qu'ils sont contents d'avoir un travail. D'être logés nourris. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Il n'y a que les membres du groupe de Turbo qui traversent. Même les chats ne passent pas. Elle m'apporte un cocktail quand j'ai soif, me passe quand je suis tendu, me masse. C'est ça l'intérêt des croisières. Je suis tellement pressé de voir Turbo en concert. Ce bateau-là, c'est le sien. C'est comme ça qu'il se déplace pendant les tournées mondiales. Turbo en même temps. Désolé, je n'ai pas de retard de passagers. Quelque chose que je vois pas. Do it.
Sur le bateau, il n'y a pas une entrée que j'ai pas vu.
Et on a parlé de poisson là-dedans. Fragment d'étoile. Les filles de cette île n'appartiennent, n'apprécient guère ceux qui viennent de l'extérieur. Si vous le dites en ami, vous devriez partir dès que possible. Là, rien à voir là-dedans.
Reviens sur ces terres lorsque tu auras réellement besoin de pouvoir. Le temps n'est pas encore venu. Vous avez bien dit de ne pas approcher de cet endroit, mais nous sommes venus quand même. Pour un aventurier, c'est impossible de résister à l'appel du mystère. C'est ici que réside le dragon des cieux, mais après qu'il a disparu, le gigantesque monstre s'est installé. Il a pris le flagrant d'étoile que j'avais tant de mal à obtenir. Enfin, si je n'avais pas eu ça pour moi, c'est ma vie que le monstre aurait pris. Je vais sauvegarder, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vide. Donnez-lui les fragments. Non, il est...
Oh, comment c'est fatigué. Yes! Alors, le travail. Alors, le vrai corps du monstre, c'était ce petit bonhomme. Nanana. Attrapez-le avec A. S'est fait prendre ou gagner. Qui es-tu? Il vient d'une planète lointaine. Le vaisseau de Aster est tombé du ciel. Le frappement d'étoiles est un bout du vaisseau de Aster. Le vaisseau a volé en éclats en s'écrasant. C'est donc pour ça que tu récoltais les fragments. Avec un peu de chance, ton vaisseau est encore intact dans l'autre monde. C'est vrai, youpi. Aster est heureux. Aster va convaincre l'équipe. Il s'agit peut-être d'un site des anciens dragonniers. C'est ici que réside le dragon des cieux. Pourquoi après la mouche? Thank you.
Il ne meurt jamais. Aussi.
Et quel temps! C'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!